Oh mon chouchou, mais t'es trop le meilleur. Oh, mais je l'aime ce cheval, c'est trop ma vie. Hein, c'est bien. De quoi? J'ai fait quoi concours? Bah sans faute. Bah, j'ai le meilleur cheval, clairement. Mais clairement quoi? Il est formidable. Ah chouchou, oui, oh oui, il est tellement mignon. Connard de cheval! 4 points! 4 points sur le dernier, en plus je mâche le travail, moi la place elle vient bien et tout, puis bing! Non mais sérieux, pourquoi j'ai acheté ce bourrin moi? Il est nul à chier! Pour la peine, t'auras pas à bouffer ce soir. Ça va te faire réfléchir un peu. Puis arrête de me regarder là avec tes oreilles d'âne. T'es moche en plus. Le savez-vous? Le cheval n'a pas de cortex préfrontal. Il ne peut donc pas comprendre la punition. Non mais c'est qui celle-là avec sa science là? Elle sort d'où elle? Tu as la fermée l'éthologue là? Dégage de mon box! Bouge! Oh mais je l'aime, ce cheval. Il fait partie de ma vie, hein. C'est un membre de la famille. C'est comme mon frère, tu vois? Ben ouais. Non mais je m'en séparerai jamais, hein. Tous les deux c'est pour la vie, quoi qu'il arrive, tu vois. Tu connais pas quelqu'un qui cherche un bon petit cheval d'amateur, un cheval de famille Non parce que je vends le mien. Ouais, j'ai pris la décision. Mais écoute, fini l'amateur 2, moi j'ai envie de monter en épreuve, tu vois. Destination les étoiles. Ben ouais, mais c'est pas avec ça que je vais faire B1, hein. Mais c'est pas le problème, il est gentil, tu vois. Mais là, on est arrivé au maximum de ses capacités. Et moi, j'ai envie de me donner les moyens. J'ai envie de me donner les moyens de mes ambitions, tu vois. Et c'est pas avec ça que je vais y arriver. Donc, j'ai pris la décision, je le vends et je cherche une machine de guerre. Ben ouais. Oui, ben je sais, j'ai dit que c'était le cheval de ma vie, mais ça n'empêche pas. On peut avoir le cheval de sa vie, le vendre et puis en trouver un autre. Hein. Je passe tout mon temps libre avec lui. Ah, moi, chouchou, je l'aime trop ce cheval. Ah non, mais c'est vraiment ma passion. Y a jamais personne qui pourra nous séparer, hein? Non, bah même pas un mec en rêve. Il passera après le mec. Ah, mon chouchou, c'est toi, mon amoureux. Ah, oh bah oui. Oh. Il est tellement mignon. Ouais, je sais, je passe plus aux écuries. Mais j'ai pas le temps. J'ai rencontré un mec. Bah ouais. Et je vais vous dire, il n'y a pas que le cheval dans la vie, les gars. Faut peut-être sortir un petit peu de votre coin bouseux, là, hein? Voilà. D'ailleurs, si tu connais quelqu'un qui cherche en demi-pension, ou carrément même en pension complète, tu vois, pour me débarrasser de mon cheval, là, parce qu'il me prend tout mon temps, c'est pas possible. Voilà, hein? Si tu connais quelqu'un, je le confie même, hein, je le refile, hein, y a pas de problème. Voilà. Bon, j'y vais parce que j'ai mon mec qui m'attend, hein. Salut. J'adore acheter des trucs pour lui. Ah oui, mais tout mon fric y passe, hein, mais j'adore ça. Là, je lui ai acheté dernièrement les bandes Montana. Tiens, tu peux voir, je lui ai mis. Ouais. Elles sont trop belles, noires avec des strass et tout, j'adore. Bon, par contre, ça coûte une blinde, hein. J'ai payé 90 balles la paire. Hein. Mais bon, rien n'est trop beau pour lui. Hein? Rien n'est trop beau pour toi. Alors, comment il va le chouchou ce soir? Ah, mais il m'a bouffé mes bandes Montana! T'as vu, Marie, s'il m'a bouffé mes bandes Montana! Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est con ce cheval! Tu le sors pas demain, hein, il fait du boxe, punition! Je vous rappelle que... Oh, c'est bon, là, celle-là, ça ferme, hein!